Et eh bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Hollow Knight et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 8ème épisode. Alors vous allez dire, non mais Darko, c'est pas là que tu nous avais laissé et puis t'as pas le même nombre de géos. En effet, j'ai farmé un petit peu de mon côté parce que je vous avoue que ce jeu, j'ai pas envie de le lâcher en fait. Et résultat, j'ai farmé énormément, je me suis récupéré un total de 10 charmes avec le truc que j'ai récupéré par rapport, enfin avec les géos que j'ai récupéré par rapport en allant les acheter, etc. Ce qui m'a débloqué des emplacements de charmes supplémentaires. Et à partir de là, on m'a dit que le rock solide c'était pas le truc qui était le plus intéressant, mais c'est vrai que c'est pas forcément le must. Par contre, la longue lame, ouais, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, capture âme, boussole murmurante, longue lame et épine d'agonie. Donc comme ça, normalement, je devrais pouvoir taper de plus loin, en effet. Ce qui va être assez intéressant. Donc, on va partir. Sachant que... Hop, dans l'idée. Carte. Il faudrait qu'on aille par là. Ça va être là la suite, parce que ici, je peux pas y aller. Visiblement, je peux pas y aller. Donc, faut que je passe plutôt par là, je crois. Quoique ici, il y a peut-être un truc que je dois voir. On verra. Là, il y a deux endroits où je suis pas allé. Et donc, j'ai eu confirmation, le sol qui réagissait bizarrement ici. Il va me falloir un pouvoir spécial pour pouvoir y accéder. Donc, ça ira plus tard, quoi. Bref. Allons-y. Ah oui, en effet, meilleure portée, ça aide vraiment pas mal. Putain, sachant que là, je viens. Là, j'ai joué quand même pas mal avec les 5 cueilleurs, justement, pour pouvoir farmer les géos. C'est chiant de devoir les récupérer, d'aller récupérer les géos, quoi. Donc bon. Hop, là, on avance. Nickel. Donc, on va continuer l'exploration de... je sais plus le nom de cette zone, mais la caverne nocive, c'est ça. Hop. Hop. Voilà. Nickel. Sachant que je pourrais utiliser aussi le talisman du chaman qui permet d'augmenter les dégâts de mes sorts, mais je suis plus un épéiste qu'un magot, moi. Voilà. Hop là. Très bien. Et on va... Ouais, on va en profiter pour flinguer le petit champignon qui est là. Voilà. Voilà, voilà. On est pas mal là comme ça. C'est vrai que là, la portée supplémentaire, ça aide bien quoi. C'est plus bas qu'il y a l'accès qu'il y a à gauche et à droite. Donc attention à ne pas se suicider comme un boulet, hein. Comme un boulet que je suis, parce que ça je le fais régulièrement. Donc là on a un truc ici, à droite notamment. Qui est pas marqué sur une carte quoi que ce soit. Oh! Mange pâte. N'essaie pas de te faufiler, je peux sentir ton odeur. Ramasser. Ramasses-tu beaucoup de géos? Donne-moi des géos et tu pourras voir quelque chose de joli. C'est très Sméagol quand même. Bah oui. Eh bien, laisse-moi te montrer. Jette donc un coup d'œil. Tu les veux? Si tu les veux vraiment beaucoup, je les échangerai pour plus de géos. Plus de géos. Ah! Donc cœur fragile, un coup d'emplacement, machin, ok, c'est un charme magnifique et précieux, je l'ai fait pour toi. Si tu le portes sur toi, tu seras en meilleure santé. Ah, si tu as peur de mourir, ce charme te sera très utile. Ça, visiblement, c'est un charme qui augmentera la vie de potentiellement un point, ce qui est pas mal. Avarice fragile, un charme très spécial et d'une très grande valeur. Souhaites-tu trouver plus de géos sur ton chemin, porte ce charme sur toi quand tu pars chasser. Rapporte-moi tous les géos que tu auras trouvés. Hmm. Force fragile. Il aime bien le truc fragile, le monsieur. Hein. Ce charme te rendra plus fort, tes ennemis et tous ceux qui croisent ton chemin auront enfin peur de toi. Ça augmente la force. Eh ben, ah, la manette qui déconne, évidemment. Non, oui, non. Problème de manette. Excusez-moi.
Excusez-moi, le bruit USB vient de chez moi. Je reconnecte la manette. Ça va mieux. Ok. Carte mise à jour, ok. T'as rien d'autre à me proposer? Non, enfin, je me souviens ici. Toi, t'es marqué ici comme quoi c'est un marchand. Ok. Je reviendrai quand j'aurai plus de thunes. C'est noté. Et normalement, à gauche, là, j'ai quelque chose. Même s'il me semble que... Il me semble que c'est un cul-de-sac. Donc j'ai récupéré, en fait... Que je vous montre. J'ai récupéré vraiment tous les charmes, je crois, de la marchande qu'il y avait dans l'autre truc. Donc j'ai 5 heures, ça vous le savez, vous le connaissez déjà. Carapace infrangible. Je l'ai récupéré celui-là chez Sly, parce qu'il me fallait 10 charmes pour pouvoir accéder à l'emplacement de charmes supplémentaires. Donc le capturin, vous le connaissez déjà. Pierre le Charman qui augmente les dégâts des sorts. Rock solide, qu'on avait déjà récupéré à l'épisode précédent, qui me permet de ne pas avoir de recul lorsque je tape. L'épée longue. Enfin, longue lame qui permet d'avoir une meilleure portée. Le cœur de sang de vie qui permet d'avoir 2 points de vie supplémentaires qui sont éphémères, que je ne peux pas régénérer avec l'âme. La canalisation rapide qui permet de se soigner plus rapidement grâce à la canalisation d'âme. Et l'épine d'agonie qui permet donc de faire les points de dégâts aux méchants qui voudraient me... Ah oui, je peux pas passer à gauche. Qui voudraient me faire du mal. Voilà. Donc on descend. On descend, on descend. Hop, hop, hop. Et hop. Le level design de ce jeu est excellent, je trouve. Mais. Donc là, c'est bon. Aïe. J'ai fait de la merde, là, on est d'accord, hein. Ah, je croyais que ça suffisait à le tuer. Je croyais que ça suffisait à le tuer, mais en fait, non. Aussi, on m'a dit de regarder un petit peu... Hop, ça. Ouais, en fait, ça donne juste des notes par rapport aux créatures, quoi. C'est juste ça. Graines de vie, ouais, j'en récupère, tu vois. J'ai pas fait gaffe à ce qu'il y avait en dessous. Y'a rien en dessous? Sérieusement? Il n'y avait rien en dessous. D'accord. J'aurais essayé, hein. Je passe à côté d'un champignon, c'est pas grave. Hop là. Aïe. Mais là, pratique, hein, l'épine d'agonie. Au-dessus à droite, ça je peux pas l'ouvrir. Visiblement, c'est un truc auquel on accédera plus tard. Ouais, je pourrais passer de l'autre côté, ok. Bon. Voilà, ça fait toujours des géos en plus. Ah, ces trucs-là, c'est chiant. Voilà. L'avantage, c'est que je peux les flinguer facilement, ces trucs-là. Quand tu vas descendre... Oh. Aïe! Voilà. Je peux passer par la droite. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'indication par rapport à ce qu'il y a à droite. On va zioter. Ça, c'est une zone que... Qu'est-ce que c'est ? Examiner. Nous nous souvenons de l'ancien. C'est tout ? L'ancien. Et... Ok. D'accord. Si tu veux. Combo. Bravo Derko, hein. Très très fin. Quand tu es avancé, j'espère qu'il y aura un banc sur le chemin quand même. J'entends un bruit qui... Pas rassurant. Ah, t'es gentil. Classe. Les petits pas d'une petite créature, peut-être une aventurière, comme moi. Cherches-tu des endroits dangereux? Eh bien, tu es sur la bonne route. Une bestiole au long cou m'a averti d'une tribu un peu plus bas. Elle m'a dit que ce sont des sortes de guerriers, et j'ai vraiment très envie de me battre.
Reste vigilante, créature aventureuse. Reste en vie pour que nous puissions nous retrouver sur le reste du chemin à parcourir. Ok, c'est tout ce que tu as à me dire. Ok. Oh, des trucs pour rebondir. Sérieux, non? Non, je peux pas. Bon. Non. Voilà. Ah, je veux mes géos. Je veux mes géos. Voilà. Ok. Ok. Il n'y avait rien au-dessus, nickel. Pour l'instant, c'est bon. Pense à son Pellegrino, toujours. Hein. Ça descend. Il y a un symbole en dessous. Ça m'intrigue. Ça... Ah! Ah! Ok. Il a fait mal, lui. Ça, j'oublie que eux, ils explosent aussi. Bon. On est plutôt pas mal. Pour remonter, ça va être rock'n'roll, ça. Y'a Hornet qui est toujours là. Je vais pas sauvegarder, je vais pas mourir. On va d'abord essayer de trouver un endroit où, où sauvegarder. Non, parce que Hornet... voilà quoi. Hein. J'ai déjà affronté, elle fait mal. Aïe. Et vu comment je suis pas doué, il y a des chances qu'elle va encore une fois mourir en deux. Hein. Hop. De base, ouais, le sort est vachement puissant en fait. On va voir que là, ça me ramène ici. Il n'y a pas un truc que je devais activer là? C'est quoi ça? C'est juste une lumière. Aïe. Ok. Bravo. Non mais ça c'était très intelligent Derko ça. C'était excessivement intelligent. J'étais pas allé au-dessus hein. J'étais pas du tout allé au-dessus. Ok. D'accord. C'était totalement voulu, hein, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Ah, il y a un peu de chaud. Coucou. Voilà, très bien. Ok, maintenant à gauche, il y avait quoi? À gauche, il est censé y avoir juste un... Ça, ok. Et là, ça nous fait tomber ici. Mais j'étais venu par là la dernière fois. Ah, je pouvais pas passer, je crois, c'est ça, non? En tout cas, je suis jamais venu ici, sinon ça, j'aurais récupéré. De sûr. Info sûre, les mecs. Je suis jamais passé par là. Ouais, j'étais pas passé par là parce que ici c'était fermé. Ok. Non, ok. Non, ça va. Là, je commence à voir, je commence à comprendre. Mais ça veut dire que je vais devoir affronter... Non, j'ai pas forcément besoin d'affronter Hornet, puisque je peux descendre encore un petit peu.
On va avancer. Alors moi j'ai réussi à boucler. À boucler le truc, c'est bien. Dégage-toi. Je peux passer par la... Je peux pas passer par la gauche. Je peux passer par la droite. Parce que là il me faudra un truc pour faire un double saut que je n'ai pas encore. Ah, il y a des masques qui sont empalés là, je suis pas fan de l'idée. Ah, ok, d'accord, non mais, je déconne. Attends, c'est quoi cette montre religieuse? Je l'ai tué, je m'en fous, je l'ai tué. Grâce à mon pouvoir de défense. Eh. Très bon investissement ce truc là. Voilà, donc on a une nouvelle créature là qui arrive. Mais est-ce qu'on est toujours de la... En fait c'est beaucoup plus simple comme ça hein. On est complètement dans une zone qui est pas du tout celle que, dans laquelle je dois aller à la base. On est d'accord là. Hein. On reviendra ici plus tard. On reviendra ici plus tard. Ah, j'ai tué la... La tourelle s'est tuée toute seule, c'est génial. Là. Voilà, je vais quand même récupérer un petit peu d'âme sur vous, messieurs. N'en veuillez pas. Ok. Bon, bah, on va voir ce que nouveau Hornet. Hein. Non, parce que c'était Hornet la dernière fois. Tout à l'heure, on est d'accord. Hein. Elle est plus là, Hornet. Elle est plus là, Hornet. Alors, ici se termine la route des pèlerins. Le cœur d'Alonest s'ouvre devant vous. Continuez d'avancer pour partager sa gloire. Ouais, sauf que je peux pas passer en fait. Donc c'est-à-dire que j'étais vraiment obligé de passer par en bas. Ok. Ça se trouve, j'ai fait sauter un script que j'aurais pas dû faire sauter. Voyons voir. Il me faudrait... Filez-moi un banc, quoi, s'il vous plaît, les mecs. Ou alors, il y a un truc que j'ai loupé ici, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Autrement, à part ça. Non, non. Là, je saute dans le vide, je décède. Je décède complètement, là, en fait. Pourquoi est-ce que quand je tape dessus, ça fait un... Comme si je le blessais. Bref, on s'en fout. Donc ouais, vous savez, je pense qu'il faut que j'aille tout en bas en fait. Là où il y a les montres religieuses. Ça me paraît pas déconnant. Ah. Nickel. Bon alors, la tourelle t'es mignonne, mais en fait, on fout un petit peu de toi, donc... Amuse-toi toute seule, je te dirai rien. Et on va aller voir les montres religieuses. Hop. D'où t'as respawn, toi? Ok. Ok. Nickel. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Il y a encore une montre religieuse là-bas. Le problème c'est que je sais pas... Hmm. C'est le saut de la foi à chaque fois, quoi. Ça me dérange. On va voir à droite ce qu'il y a. Il y a moyen de remonter ici. Aïe.
Hop là. Qu'est-ce que tu me dis ? Voyageurs cherchant la mort, bienvenue. Puissiez-vous trouver une fin rapide entre nos pinces ? Mais je cherche pas la mort. Du tout. Moi, je suis pas là. Je suis un explorateur, moi. C'est tout. Je suis un gentil qui tue tout le monde, mais je suis un gentil quand même. Par contre, est-ce que vous pourriez me filer un banc, s'il vous plaît ? Parce qu'on est toujours, dans les cavernes nocives, hein, on n'a pas changé de monde. Mais est-ce qu'il serait possible d'avoir un banc pour mettre à jour la carte, en fait ? Pour être cool. Voilà, bon, je le fais à l'arrache. Je devrais que j'étudie un peu plus le pattern, savoir quand est-ce que je peux attaquer, quand est-ce que je ne peux pas attaquer. Sachant que je peux faire un backup avec... Enfin, je peux faire un... Hop là, m'éloigner au moment où il s'apprête à attaquer avec un petit dash. Voilà. Mais je le fais pas. Ah, il y a un banc. Il suffisait de demander, les mecs. Il y a un banc juste là. En... Évidemment, je me jette dessus. Très intelligent, Salerco. Très, très, très intelligent. Relta, je suis tombé où là par rapport au reste? Je suis tombé. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Pas besoin de s'énerver comme ça, hein, madame la montre religieuse. Ça picote quand même. On a quoi ici? Ah, d'abord, je vais aller voir le banc. D'abord le banc. Donnez-moi un banc. S'il vous plaît. Le banc, il est plus bas. Ok. On va se rajeunir un petit peu. Il me dit que le banc est en bas. Ouais, là, il y a un banc. Ouais, là, il y a un banc. Ta carte mise à jour. Carte bien mise à jour là. On va remonter, on va voir à gauche. Je peux passer par là. Merde, Crudy. Non mais. Bravo. Ah bah il s'est suicidé le moustique. Voilà. Ok. Juste me régène un tout petit peu. Je sais que ça fait respawn les ennemis mais au pire ça fait du farm en plus. Je pourrais aller juste directement en bas à gauche mais d'abord j'aimerais voir ce qu'il y a au-dessus à gauche. Ah sauf que je peux pas passer par là. Je vais te passer par là. Bah ils ont pas respawn les ennemis, c'est bien ça. Non mais ah. Non mais ah. Je peux pas remonter. Si, juste que je suis un boulet. Voilà. C'était là. Qu'est-ce qu'on a ici? Je veux dire, cet environnement m'est étrangement familier, mais en fait, non, pas du tout. Ok. Le village des Mantes. Alors. Voilà. Bon, j'ai paumé les thunes qu'il avait, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Suffisait d'attendre un tout petit peu. Et je peux pas passer par là au-dessus pour l'instant. Suffisait d'attendre qu'elle attaque pour pouvoir la flinguer. Parce que là, ça va. J'ai vu qu'il y en avait une qui était au-dessus, hein, je vous rassure. Aïe. Deux fois. Voilà. Il m'a saoulé.
Voilà, mine de rien, très pratique, hein, la longue lame. Très très pratique, la longue lame. Ok, donc sympa à l'ouvrir au-dessus, d'accord, mais... Ok, en passant par là-bas... Par au-dessus, je peux accéder là-bas. Alors, oui, évidemment... Voilà. Donc là, évidemment, je peux pas encore y accéder. Ça viendra plus tard. Voilà. Et là, pareil, je peux pas encore y accéder. D'accord, c'est noté. Ouh, il y a un charme au-dessus. Très bien. Putain, je viens de voir l'heure. On est déjà à 26 minutes de vidéo, mais j'ai pas envie de m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas un charme, c'est un pouvoir. Pince de menthe religieuse. Appuyez sur A tout en glissant contre un mur pour vous élancer et sauter à nouveau. Sauter sans vous arrêter d'un mur à l'autre pour atteindre de nouvelles zones. C'est le wall jump de Mario. D'accord, là ça me parle. Ça c'est cool ça. On va pouvoir accéder à de nouveaux endroits. Ce qui est plutôt pas mal. Pas mal du tout. Et on n'a pas de limitation par rapport à ça, c'est... Ouais. C'est plutôt cool. Ah, je peux sortir par là, ouais. Mais... Ouais. Ah. Ah! Tout simplement. Il a intérêt à être bien le truc que... Le truc qui est en dessous... Ouais. C'est juste des golds. Hein. C'est juste des géos. Et donc on peut le faire sur le même mur à chaque fois, j'ai l'impression. Hein. Voilà, ça nous fait permet de sauter facilement. Ok, non, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà. Ok. Ah, oui. Bah écoutez, on va remonter par là où... enfin, parce que j'ai vu tout à l'heure, là, ici. C'est quoi cet arbre? On dirait un Dreamcatcher le truc. Ok. Là on est encore sur une zone que je ne connais pas, hein. Encore et toujours. C'est vachement pratique comme truc, comme pouvoir. Donc là, je vais regagner là où j'étais tout à l'heure. Et où je disais, je peux pas passer par là. Ah ouais, mais putain, le... Oh, le banc, il est super loin. On va essayer de trouver un autre banc plutôt. Ok. Ouais, je... Ça sert à rien, on regarde la carte, Darko, tu t'as pas cette partie de la zone. T'as pas cette partie de la map sur la sur ta carte. Ah. Ok, bon là je peux juste pas y accéder quoi qu'il arrive. Je suis trop petit. Putain, je suis déjà à 626 géos quoi, ça monte tellement vite. Aïe. Par contre, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il y avait sur le côté droite de la map. Ah, il y a un truc à récupérer là-bas. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc à récupérer ici. Là, pour le coup... Dégage-toi. S'il te plaît, merci. Toi, si tu pouvais décéder aussi, ça pourrait être cool, ça m'arrangerait. Non. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici?
Journal d'un voyageur. Journal d'un voyageur. Journal oublié d'un voyageur mort depuis longtemps. Le texte est écrit dans un dialecte ancien et difficile à déchiffrer. Relique de l'ancien Alonest. Cet objet n'a que très peu de valeur, sauf pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du royaume. J'ai l'impression que ça, c'est des artefacts qui vont être intéressants pour un des habitants d'Alonest. Il y a plein d'endroits qui me viennent à l'esprit pour pouvoir... notamment dans la station de l'arène. Il y a plein d'endroits que je peux explorer maintenant qui me viennent à l'esprit. Hop là. Mais là, dans l'immédiat, vu qu'on est déjà à 31 minutes de vidéo, aïe. On va rentrer sur un banc. Et je me dis que le banc qui est en bas, il est... C'était pas prévu au programme, mais ça marche. Je pense... Mais c'était un passage, ça ? Comment je vais faire pour remonter? Non. C'est une salle de boss, ça. Ça pue, la salle de boss. C'est le truc que j'ai activé là. C'est le truc que j'ai activé tout à l'heure qui fait que ça a fermé le plancher. Oh! Yo Quirel. Rebonjour, je pense que tu as déjà fait la connaissance de la tribu qui vit dans ce village, n'est-ce pas? Tout à fait. Elle semble un peu méfiante envers les étrangers, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, ce ne sont pas des monstres. Elles résistent toujours à ce fléau qui s'abat sur eux, sur ceux qui possèdent un esprit inférieur. Elles conservent toujours leur intelligence et leur honneur, mais aussi leur tradition mortelle. J'ai quelques conseils à te donner, mon ami. Si tu prévois d'affronter les dames de cette tribu, j'ai bien peur que ton aiguillon soit trop émoussé pour cela. Ah, il existe une cité tout près d'ici, l'ancienne capitale d'Alonest. Ah ah. J'ai entendu dire qu'un fabricant d'aiguillons y réside. Tu devrais aller lui rendre une petite visite. Je pense que tu constateras de réels progrès après ça. Je dirige moi-même vers cette grande cité. Si tu vas voir ce fabricant d'aiguillons, il se peut que dans très peu de temps, nos chemins se croisent à nouveau. Ok, t'as rien plus à me dire. Ok. Bon, mine de rien, là, avec notre nouveau pouvoir, là, ça va être sympa. Aïe. Pire, je m'en fous, je me soigne juste après. Mais bon. Hop là, on va descendre. Ouais. Je lui dirai, t'inquiète pas. Genre là, à gauche, je suis toujours pas allé. Mais on verra ça à l'épisode de lundi. Parce que là... Quoique, y'a quoi ici? Ouais. On verra ça à l'épisode de lundi. Mais je vous fais une CIG là. En mode je vous en montre un petit peu et puis en fait pas plus. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 8. Là on commence à avoir les mécaniques de gameplay classique de plateforme plus de Metroidvania qui se mettent en place. C'est plutôt une bonne chose. Mais ouais, on va s'arrêter juste voilà. C'était gratuit, c'était totalement gratuit, mais... donc oui, comme je disais, on va s'attendre pour cet épisode numéro 8 de Hollow Nest, je passe sérieusement en tout cas... Hollow Nest, excusez-moi, Hollow Knight. Hollow Nest, c'est le nom de la ville. Je passe sérieusement en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous encourage à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.